écoutez Radio New Vegas, votre petite jukebox des terres dévastées du Mojave. Je suis Monsieur New Vegas, et je ne suis là que pour vous. C'est le moment de vous communiquer les infos. Voilà nos principaux titres. Le drapeau de la RNC flotte sur l'ancien avant-poste de la Légion à Nelson, après de durs combats. Selon la RNC, le moral est depuis excellent. La Légion a mis à sac le camp de Forlorn Hope, éliminant les forces de la RNC qui l'occupaient, et prenant ainsi pied le long du fleuve. À l'issue d'un revirement inattendu, une armée de sécuritrons a pris le contrôle du barrage, empêchant les deux camps de s'en emparer. Mesdames et messieurs, bienvenue sur nos ondes. Ici Monsieur New Vegas, et rappelez-vous que vous êtes tous merveilleux à votre manière. Nous aurons d'autres nouvelles à vous communiquer dans notre bulletin horaire. Pas de nouvelles ? Bonne nouvelle, dit-on. Mais je crois que l'émission serait très ennuyeuse si c'était le cas. Ces infos vous étaient offertes par l'Abri 21. L'Abri 21, tout est plus agréable à vivre quand on est à l'abri. Si vous aimez les infos, vous allez adorer ce qui va suivre. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent. Ici Master Good Deal en direct de Prime, où a lieu la plus grande convention de science-fiction de tout le Mojave. Aliens, robots, space cowboys et autres passionnés du genre se sont tous donné rendez-vous ici pour rencontrer leurs plus grandes stars, découvrir des cosplays magnifiques ou encore des décors de toute beauté. Depuis Roswell, il y a 300 ans, le Nevada n'avait jamais connu autant de popularité pour une convention de ce genre. C'est avec une joie non dissimulée que toute l'équipe de Radio New Vegas, également présente dans un décor magnifique aux couleurs de notre belle ville de New Vegas, aura cœur de vous faire découvrir des inventions de génie telles que cette machine à voyager dans le temps, participer à la capture de fantômes ou bien chasser des dinosaures animatroniques à bord de véritables véhicules sortis tout droit d'un vieux film de science-fiction. Mais Prime Sci-Fi Show, ce sont aussi des créateurs, figurines, bijoux, cosplay, fanzines ou encore ces magnifiques décors. Et ils se sont déplacés nombreux aujourd'hui pour exposer leurs plus belles œuvres. J'ai pu rencontrer l'un de ces créateurs, Philippe de Creative Labs, qui nous explique sa passion et la raison d'être de son entreprise. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça prend combien de temps pour créer un décor de ce type ? La conception, ça m'a pris 2 semaines. La construction, j'étais tout seul pendant 1 mois. Et puis après, le montage, on a 2 jours de montage pour tout construire. Pas pour tout assembler sur les différents salons. C'est ton métier ou c'est un hobby hein? C'est mon métier. Bah, ça fait partie de mes métiers. À la base, je suis spécialisé en effets spéciaux pour le cinéma et la pub. Et puis un jour, j'ai décidé d'adapter mon boulot pour mon plaisir personnel. Je continue à faire de la menuiserie et du stand. Creative Labs, c'est un concept ou c'est autre chose ? C'est pas réellement un concept parce que ça existe. En gros, le Creative Lab, c'est le regroupement de plusieurs personnes, qui soient connues ou pas connues, c'est ça l'important, mais qui sont des gens qui travaillent soit dans leur garage, soit dans leur cuisine, et qui n'ont pas la chance de pouvoir être présents sur ce genre d'événement. Et donc, je me suis dit, j'ai la chance de pouvoir être sur ces événements-là, donc faisons profiter de cet emplacement gigantesque que les salons nous offrent pour pouvoir faire présenter le travail d'autres personnes. J'entends souvent parler du terme props chez les créateurs. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, le props, ça vient du mot américain accessoire. Et à la base, le props, ce sont toutes les fabrications des objets qui vont autour d'un super-héros, les armes, les petits accessoires qu'on voit en arrière-plan sur une table, un laboratoire, tout ça. Et ça s'est démocratisé en devenant des objets qu'on fabrique pour du particulier, mais c'est l'objet qu'on pose. Qu'on pose chez soi. Ce sont des objets qui sont très lourds, qui sont fragiles, donc qui ne sont absolument pas adaptés au cosplay. C'est vraiment des objets comme des objets d'art, quoi.
Ta spécificité, c'est quoi exactement? Alors là, ça va être non, là. Comme je viens du cinéma et de la pub, ma spécificité au départ, c'est que comme on faisait les maquettes Star Wars, comme on dit old school aujourd'hui, qui me fait un peu sourire, bien sûr, je me suis modernisé, je suis à la 3D aussi, mais ça va du matériau de synthèse, tous les matériaux de synthèse, silicone, résine, alors pas résine 3D, hein, résine, polyester, polyuréthane, époxy, tous les mélanges qu'on peut faire, ça passe par l'animatronique, ça passe par les effets spéciaux d'eau, peu, c'est gigantesque. On a derrière nous de superbes casques d'armure assistés. Ça t'a pris combien de temps pour les fabriquer? Ma technique de travail entre justement l'impression 3D que tout le monde utilise, c'est-à-dire on s'arrête à l'impression. Moi, je l'utilise comme on doit utiliser l'impression 3D, c'est-à-dire que c'est pour faire le prototype. Après, ils sont moulés entièrement en silicone, avec plein de pièces différentes pour les effets justement doré, argent, si on veut changer de couleur ou des détails comme ça. Et après, je les refais en tirage résine, soit époxy, soit fibre de verre, soit polyuréthane, avec des effets de chargement dedans pour avoir des vrais effets de métal et autres. Ou de la peinture, mais là, tous mes modèles, ils sont plus en 3D. Ils pèsent, mon casque en métal, il doit faire 22 kilos, si j'ai bonne mémoire. Les autres, ils tournent aux alentours de 8-10 kilos, donc c'est important pour le cosplayer, et c'est en même temps, ça lui donne le côté véridique par rapport à la matière, parce que la matière est traitée complètement différemment que ce que fait l'impression 3D. Quel est ton prochain gros projet, hein? Mon prochain gros projet, c'est pour le Creative Lab. Je voudrais arriver avec des très grosses pièces. C'est-à-dire le but, ça serait comme Denis qui a fait un cosplay géant pour nous. Ça serait d'arriver avec des très grosses pièces et de ramener encore plus de gens avec nous. Là, on est en train de discuter avec les salons pour justement avoir des vraies interactions avec eux. Et c'est en train de se mettre en place. Et plus je ramènerai de gens... J'ai un projet de cours, c'est-à-dire une surface où il y aurait 20, 30, 40 créateurs. Ça serait vraiment mon plus gros projet. Merci infiniment Philippe et à très bientôt pour une prochaine convention. Merci à toi et à très vite. Très très vite. Ravi de vous retrouver mesdames et messieurs. Ici Monsieur New Vegas. Merci infiniment de nous écouter. Vous savez que je pense que les nouvelles bonnes ou mauvaises resserrent nos liens. Ce n'est pas votre avis? Alors, restez avec nous. Le camp de réfugiés de Bitter Springs a été envahi par les négriers de la Légion. Restez à l'écart et ne parlez pas aux gens en tenue de footballeur. Plusieurs aéronefs non identifiés ont été vus au-dessus du site de Repcon par un illuminé local. Devant nos micros, il a parlé à un ours en peluche. Les femmes de New Vegas me demandent souvent s'il y a une Madame New Vegas. Bien sûr que oui, c'est vous. Et je vous aime comme au premier jour. Les nouvelles du jour vous étaient offertes par Prime. Prime, l'autre New Vegas. Et maintenant, voici une de mes chansons préférées, rien que pour vous. The town of I were free, I was a stranger one fine day. Only spoke to folks around here and didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a sleep. For the stranger there among them had a big one on his feet. Big one on his feet. Big one on his feet. When he tried to match the ranger with the bigger one on his knee. C'est encore moi, Monsieur New Vegas, qui vous rappelle que vous n'existez vraiment que si quelqu'un vous aime. Et ce quelqu'un, c'est moi. Je vous aime.